Salut, c'est Coach Adé. Elle est bien transpirée aujourd'hui avec moi pour avoir des fesses en béton. Je te laisserai évidemment prendre mon rythme d'entraînement. Tu peux faire cette vidéo plusieurs fois par semaine et tu verras, tu vas retrouver un petit peu plus de volume au niveau des fesses. Pour cet entraînement, je me suis inspirée de mon programme des fessiers. Je te mets le lien de mon site internet tout de suite en dessous. Je te laisse aller jeter un coup d'œil si vraiment ton objectif est une prise de masse au niveau des fessiers. Allez, c'est parti, je te laisse récupérer une bouteille d'eau. N'hésite pas à boire, je ne penserai pas à le dire, je pense aux fins de la vidéo. Mais boire, c'est important. Essaye bien de t'hydrater au cours de l'entraînement. Allez, on va partir sur 4 petits exercices. J'ai récupéré une chaise, un tabouret, donc je te laisse faire de même. Et on est parti pour cette vidéo. Un rep, tu dois connaître, on va faire des kicks vers l'arrière. On se pose comme ceci et on fait 20 répétitions, petit battement. 2, 3, ne creuse pas le dos. Si tu sens avoir une pression en bas du dos, tu passes sur les coudes pour avoir le meilleur alignement. Et souffle bien. Une fois qu'on a fini les 20 répétitions, on va faire 20 kicks sur le côté. 9, 20. Et top, 20 kicks sur le côté. 1, 2, 3, 4. Allez, souffle. Et la moitié. C'est pas une course. Et 20. Une fois qu'on a fini les deux premiers exercices, on passe à l'autre jambe. Je sais pas si tu as fait attention, mais j'ai fait deux fois la même jambe. Pas le même exercice, mais la même jambe. Je suis reparti en battement arrière. Toujours pour 20 répétitions. Allez, 20, c'est fini. Et 20 kicks sur le côté. Et prends ton temps, souffle bien. Ça doit commencer à brûler. Et 20, il nous reste deux autres exercices. Allez, on est parti tout de suite en fente croisée. Et là, on va alterner deux côtés. Donc, on part sur 40 fentes si tu les comptes toutes. Sinon, tu fais 20 par côté. Ça permet. Mais pense bien à alterner et à prendre ton temps. Moi, je compte toutes mes reps, comme ça, je m'embrouille pas. Mais toi, tu fais comme tu veux. Allez, j'ai fait 20 reps, donc j'en suis à la moitié. Réfléchis bien, va bien chercher loin derrière et reste le buste le plus droit possible. Et ça va chauffer les côtés des fessiers. Fais-moi une contraction à l'intérieur du fessier. Contracte le ventre. 3, reste solide.
vas faire la saucisse. 4. Allez, on partit pour pas mal. Et la moitié. Allez, on appuie fort dans les talons. Plus que 3. Allez, fin du premier tour. On repart tout de suite pour le deuxième tour. En bonne technique, petit battement. On se remet à quatre pattes. On reprend la première jambe qu'on a fait. Et on repart pour les arrêts. Et pas de récup, rien du tout. On enchaîne tout ça. Et ça, ça se voit vite. Les petits battements. Allez, 20. On est parti sur le côté. 1, 2, allez, on lâche pas. Pense à souffler. N'oublie pas de te mettre sur les coudes s'il faut. Et plus que 7. Ça doit chauffer, ça doit chauffer. Allez, on pose. On a fini une jambe. On souffle et on part pour l'autre. Les petits battements. Ne lève pas la tête comme ça. Ça va faire creuser le dos. Essaye de bien regarder tes mains et de rester aligné. Et de souffler à max. Allez. On va sur les côtés. Et ça doit aller vite, ça. Allez, 10 plus que 10. 1. Ne lâche pas, lâche pas. Même si ça brûle, ne lâche pas. Allez, on reprend doucement les fentes croisées. Allez, là, on va avoir les fesses qui commencent à congestionner. Et on est parti pour 40 reps en alterné. Le buste bien droit. On souffle. Et on y va. Allez, cet exercice est un peu long, mais on sent le travail des fessiers, donc c'est pas grave, on lâche pas, le buste est toujours droit, et on résiste. Et plus que 10. Fin des fentes, on reprend le petit tabouret, la chaise comme tu veux, les talons bien dessus, c'est vraiment les talons qui sont en appui, les mains le long du corps ou sur les hanches, et on est parti. 1, allez, on bloque, on met toujours la contraction. C'est normal si on a une barre un petit peu en bas du dos au niveau des lombaires, ça travaille aussi. La chaîne postérieure est très très sollicitée sur cet exercice, donc c'est normal.
Allez, plus que 5. Allez, accroche-toi, accroche-toi, même si ça chauffe, même si c'est dur. Allez, fini le deuxième tour. On repart pour le troisième et dernier tour ensemble. J'espère que tu es prêt. Attention, on se remet à quatre pattes, le pied derrière et on est parti pour les battements. Allez, 20 battements. Allez, on est parti, 20 sur le côté. Allez, allez, on enchaîne, on lâche pas. Allez, on a fini le pied gauche, on attaque le pied droit. C'est parti, 20 battements arrière. Allez, ça chauffe, mais on ne lâche pas. Toujours la tête dans l'axe. Allez, 20 sur le côté. Allez, on s'accroche, c'est bientôt fini. Allez, allez. Plus que 5. Allez, on a fini pour les battements. On reprend les temps croisés, le buste toujours droit. Attention au départ. Top. Allez, on résiste. Même si c'est long cet exercice, on essaye de garder la bonne posture tout le long du geste. Le ventre est serré, rentré. Et on y va. Allez, la moitié, on est parti pour les 20 derniers. Petite vidéo, cette petite routine fessier t'a plu. Bien évidemment, tu peux la faire plusieurs fois par semaine pour avoir un fessier en béton très très rapidement. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo.
J'espère que cette petite vidéo t'a plu. On se dit à très très vite pour une nouvelle routine avec moi. Je te dis à bientôt. Ciao.